Bonjour les amis, nous voilà pour une nouvelle vidéo dans une forêt où il s'est passé des choses étranges, des cabanes qui datent quand même de longtemps. Je vais vous faire visiter le site dans le noir. Avant la vidéo, vous verrez les photos de jour. Et alors on a instauré des caméras de surveillance, des détecteurs de lumière. Et alors on va faire après une séance de spirit box. Et alors je vais tout de suite vous montrer les lieux. Je ne pense pas que je vais filmer mon visage, ou peut-être je verrai bien. Je vais vous montrer les cabanes. De nuit, c'est autre chose que de la journée, croyez-moi. On a déjà entendu quelques bruits, mais bon, on est dans une forêt, une bête. Donc voilà, je vous montre tout ça.
cabane. Vous voyez l'intérieur de la cabane. Voilà. Vous avez une autre ici. Malheureusement, elle a été détruite. Voilà. On a fait notre QG là. On a 4. Je vais vous faire montrer. Je vais vous montrer. Ici. Voilà. On y arrive. Désolé, mais dans le noir, c'est pas évident. Voilà. Encore une. Vous avez. Vous voyez. Je sais pas si vous voyez. On dirait qu'il y a des trucs de bougie. Donc, à mon avis, ils ont fait quelque chose ici de malsain. Apparemment, ici vous avez l'arbre qui est tombé. Voilà, donc je vais faire le tour avec vous et après on passera à l'enquête avec les amis. Vous voyez, voilà, ici on est entièrement dans le bois. Là, je suis voilà, je vais revenir sur mes pas. Je vais aller vous montrer le ponton. Ça c'est pour les VTT. Alors ici donc vous avez une cabane qui a été détruite, qui a été brûlée. Voilà. Ici donc la cabane que je vous ai montrée tout à l'heure. Je pense. Voilà, c'est une autre. Je pense que c'est une autre. Voilà l'intérieur. Vous voyez, c'est quand même étrange. Hein, c'est quand même étrange. Hein. Et tout, ces cabanes ne sont pas de maintenant. Parce que regardez. Ça a été fait avec de la corde. Et c'est de la corde qui date quand même, quoi. Vous voyez ? C'est pas avec des clous, c'est pas avec des vis. Voilà. C'est quelque chose qui ne date pas de maintenant. Je vous montrerai avec quoi ce qu'ils ont fait les murs. Et ici vous avez encore une partie au sol. Vous voyez, encore avec de la corde. Donc c'est pas quelque chose qui a été fait récemment. Non, je vais vous montrer le ponton. On va monter. Après, je vous montrerai les différents appareils qu'on a disposés. Encore une cabane. Vous voyez. Avec l'entrée qui se trouve ici. Vous voyez.
C'est étrange. Franchement, c'est vraiment étrange. Je vais avancer. Je vais vous montrer le ponton. Ah, de nuit, ça change, les amis. Comment je me sens maintenant? Ça va. Ça va, je ne suis pas... Voilà le ponton. Apparemment, à partir de là, il y avait sûrement de l'eau, un cours d'eau. C'est pour cela qu'ils ont construit ce petit pont. Vous voyez, et c'est encore fait avec de la corde. Voilà, un petit toit. C'est fait avec de la corde. Donc, il n'y a pas de vis, pas de clous, rien du tout. Donc, maintenant, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous savez que c'est intéressant. Ça nous intéresse de savoir ce que vous pensez. Alors, ici, c'en était une aussi. Mais comme vous voyez, elle a été détruite. Alors, il y en a encore. Ici. Voilà. Encore une là. Vous voyez. Désolé pour le bruit. Voilà à l'intérieur. Vous voyez, c'est quand même spacieux. Encore avec de la corde, donc c'est à se demander de quand ça date. Ici aussi, malheureusement, ça a été détruit. Vous voyez, ça a été détruit. Alors ici, de derrière, c'est vraiment une architecture qui a été bien réussie. C'est tout à fait étrange. Vous voyez le toit? Le toit qui a été fait. C'est pas possible que ce soit des scouts ou... même des enfants qui auraient construit ce genre de cabane. Ce n'est pas possible. Mais le meilleur reste à venir. Maintenant, je vais vous montrer. Oups, je vais pas faire attention de pas tomber. Je vais vous montrer encore une autre. Avec un petit trou ici. Vous voyez, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment du camouflage, c'est vraiment bien fait. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà l'intérieur. Vous voyez, il y a une petite table apparemment. C'est vraiment bien fait. Vraiment une structure. Et quand vous regardez de plus près, vous voyez vraiment que tout ce qui est bois a été taillé à la hache. Donc il n'y a pas eu de tronçonneuse, il n'y a pas eu... tout a été... ici vous en avez encore une petite. Voilà. Voilà. Oups. Encore avec de la corde. Voilà. Oups.
Je ne sais pas si vous voyez une araignée. Alors ici, voilà l'intérieur. Voilà. Alors je vais vous montrer maintenant le début du cimetière. Parce qu'on a retrouvé des croix, dont une qui se trouve ici. Il n'y a aucune inscription sur les croix, mais c'est encore des croix qui ont été faites avec de la ficelle. Je ne vais pas monter jusqu'au-dessus, mais je vais vous en montrer quelques-unes. Ça commence à partir d'ici. Ici, vous avez des pierres. Vous voyez comme si on aurait fait un tombeau. Quand Jonathan est venu avec ses amis, ils ont trouvé des ossements humains. Quand on est arrivé cet après-midi pour venir voir sur place le lieu pour faire les photos, on n'a pas retrouvé les ossements, malheureusement. Mais je vous mettrai la photo que Jonathan tient l'os dans ses mains. Et alors, je pense que quand Jonathan est arrivé, est revenu quelques semaines par après, il n'y avait pas ces pierres. Donc peut-être que quelqu'un a vu les ossements et les a peut-être mis ici dans le petit tombeau. Donc voilà, on ne va pas chipoter, on ne va pas défaire, on ne fait rien du tout. On va laisser ça comme ça. Je vous mettrai la photo. Alors on va avancer, on va monter un petit peu plus. Quelque chose qui est vraiment troublant, c'est que je vais vous montrer. Voilà. Ici vous avez un trou. C'est un trou que c'est vraiment la longueur d'un corps. Donc c'est vraiment un trou pour enterrer une personne. Ça fait bien 2,50 m. Un bon 2 mètres, 2,30 m, 2,50 m. Et là vous avez la terre. Vous voyez la terre qu'on a déblayée tout le long. Donc à mon avis, soit un corps a été déterré, et c'est peut-être pour ça que Jonathan a trouvé des ossements humains. Bon, maintenant, est-ce que ce n'est qu'une partie des ossements, ou alors est-ce que quelqu'un est venu chercher le squelette complet? Ça, je n'en sais rien. Mais bon, voilà. Moi, je ne vais pas aller dans le trou, je ne vais pas les déblayer, donc voilà. Ici, c'est ma propre opinion. Maintenant, voilà. Alors, une chose qui est troublante aussi, c'est que, vous voyez, encore une croix. Encore une croix, et comme je vous ai dit, avec de la ficelle. Et à chaque fois que vous avez une croix, parce qu'en fait ici, c'est pas facile, il fait noir. Il faudrait que j'en trouve une, par exemple ici. Vous voyez, ici, il y a encore une croix. Et où il y a la croix, le sol n'est pas régulier. Donc, vous voyez, c'est bombé où il y a la croix. Et quand vous regardez, c'est plus ou moins la même structure que pour enterrer un corps. Et alors, voilà, c'est pour ça qu'on se demande si c'est un cimetière. Et ici, vous voyez ici, vous avez encore une structure un petit peu arrondie. Et comme par hasard, vous avez
une croix, dont une là-bas et une ici. Vous en avez encore une là-bas et ça va jusqu'aux deux arbres, jusqu'à cet arbre-là et cet arbre-là. Donc ça va jusqu'au-dessus. Je vais pas marcher dessus. Mais vous voyez la terre ici, elle est bombée. C'est un animal. Donc voilà, elle est bombée jusqu'ici. Et vous avez la croix qui se trouve là. Il n'est rien marqué dessus. Et c'est court avec une ficelle. C'est troublant. C'est vraiment troublant. Ici, je vais monter jusqu'au-dessus pour vous montrer. Il y en a encore une. Ici, vous en avez encore une. Vous avez encore une croix ici. Mais c'est quand même troublant. De un, il y a des croix. De deux, on a retrouvé des ossements humains. Vous voyez, encore une là. Et encore une là. Voilà. Encore une là. C'est quand même troublant. Et là, on arrive aux deux arbres. Et là, au-delà des deux arbres, il n'y a plus rien. Soit, j'ai trois hypothèses. Je vais tourner. J'ai trois hypothèses. Soit c'est un cimetière avec des gens enterrés dans ces lieux. Soit c'est une mise en scène, ce qui m'étonnerait. Et alors, ce qui est troublant, la troisième théorie, c'est que pour moi, c'est un cimetière parce que Jonathan avait trouvé des ossements humains. Donc, et ce n'était pas des ossements d'une bête ou quoi que ce soit, c'était vraiment des ossements humains. Je vous mettrai la photo et alors vous n'aurez qu'à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez. On va redescendre doucement. Près des amis. Je vais essayer de ne pas marcher sur les tombes. Donc voilà. Encore une croix là. Ici. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le matériel qu'on a à notre disposition pour pouvoir faire l'enquête. Donc on a un détecteur au sol qui va s'allumer bientôt. Attendez, je vais le mettre. Voilà. Vous avez un détecteur ici. Alors vous avez la fameuse cabane. La grosse cabane. Là où on a mis. On va rentrer. Une caméra de surveillance. On va rentrer. Je vais vous faire voir. Vous avez vu la structure, comment elle est faite? Encore avec des cordages. Alors je vous disais, les murs
Regardez bien, c'est de la terre. C'est de la terre. On dirait un genre d'argile qu'on aurait placé comme du ciment avec des branchages, des fins petits branchages. Vous voyez, c'est vraiment étonnant. Regardez le toit. Regardez, avec des cordages. Là, on avait un arbre. Là, c'était sûrement un barbecue ou pour faire du feu. Alors, ici, je vais rentrer dans la cabane. Voilà. Donc, vous avez... Ah, ça vient de s'allumer, c'est rien, c'est moi. Vous avez... le plan fixe, donc la caméra qui est en train de filmer le détecteur et le pod. Je vais vous montrer le pod. Le voilà. Et le pod, quand vous, une entité va s'en approcher, voilà, ça va sonner. Et ici, vous avez sûrement une cheminée, vous voyez. Avec le corps de cheminée. Là, vous avez la structure en bois. Là, vous avez un étage. Voilà, la lampe vient de se couper. Un étage. Et là, vous avez un deuxième étage. Et là, vous avez un espèce de comptoir. Vous voyez ? Comptoir. Vous voyez ? Comptoir. Vous voyez ? Comptoir. Alors, vous avez une autre petite annexe. Vous avez vu comment ils ont fait les murs? Ils ont mis des bois à travers des bois qui sont horizontales. Et alors, une petite fenêtre en bois qui tient avec des petits rondins de bois. C'est vraiment, et ça c'est les murs qui sont faits, qui ont été découpés dans des troncs et qui ont été assemblés. Regardez le toit, c'est vraiment bien fait. Alors, franchement, il est vraiment vraiment bien fait. Alors les fameux murs que je vous dis en terre, regardez. C'est vraiment du dur, quoi. C'est vraiment... Regardez, ça s'effrite. Donc, c'est vraiment de la terre qui a été martelée avec de l'eau. Ouais. Donc, voilà le lieu. Alors, donc je vais vous montrer. Voilà. On a... un détecteur et on a un millimètre. Comme vous pouvez voir, je sais pas si vous allez voir, il y a 13 degrés. Et bien sûr que vous, ici, ça fait pod également. Voilà. Alors maintenant, là, les poteaux. Nous avons notre ami Luigi. Salut Luigi, salut tout le monde. Comment tu vas? Très bien, merci. Nous avons notre ami, vous le connaissez, Jonathan. Et nous avons notre ami... Jess. Jess. Bonjour tout le monde. L'ami de Jonathan, maintenant de Luigi et de moi-même Fifi. Voilà, donc ici, on est venu à quatre. Donc maintenant, on va commencer tout doucement à rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi ça? Une chouette. Ouais. Donc voilà. On commencerait par quoi? Tu veux essayer la spirit box? On peut faire une séance de spirit box. Oh, on peut tester. Ok. Ben écoute. Séance? Ok. Ok. Eh ben, je vais donner la spirit box à notre ami Jonathan. Bon, voilà, placé.
Donc je vous reprendrai après. Bonsoir, je m'appelle Fifi. On est venu ici pour essayer de rentrer en contact avec vous. N'hésitez pas, on est là pour ça. Est-ce que vous êtes là avec nous? S'il vous plaît. Pourriez-vous rentrer en contact avec nous? Auriez-vous besoin d'aide? N'hésitez pas. Êtes-vous les propriétaires des maisons qui se trouvent sur ce lieu? Oui. Oui. J'ai entendu oui. Aussi. Vous êtes combien sur ce lieu? Êtes-vous une femme ou un homme? N'ayez pas peur, on n'est pas ici pour vous chasser, ni pour vous faire peur. Au contraire, on est là pour vous aider. Oui. Ça a parlé. J'ai pas compris. Est-ce que c'est vous qui avez dit oui? Avez-vous quelque chose à nous dire? À nous faire savoir? Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? J'ai entendu oui. Un homme. Un homme. Ah, un homme, ouais, un homme. Ouais. C'est qu'on le met un peu plus fort. Sinon, on n'entend pas trop. Il faut pas qu'il vienne non plus faire une garde de nuit. Non. Est-ce que vous êtes autour de nous maintenant? Faites-nous un signe de votre présence. J'en entends, mais de loin. Ouais, on entend, ouais, de loin. Ouais. Pourriez-vous faire un bruit? Nous toucher? Ou allumer une lumière qui est autour de nous, pour nous faire voir simplement votre présence? Vous avez différents appareils qu'on a disposés un peu partout. C'est inoffensif pour vous. Si vous y approchez, soit ça s'allume, ou alors il y aura une petite musique qui sortira du petit boîtier. Vous avez ici un appareil avec une petite lumière verte. Si vous approchez de ce petit boîtier, vous verrez les lumières qui vont changer de couleur. C'est totalement inoffensif pour vous. N'hésitez pas. Nous ne sommes pas méchants. Au contraire.
Si nous pouvons vous aider, on le fera volontiers. Et pour cela, il faut qu'on sache. Donc il faut obligatoirement que vous rentriez en contact avec nous. Venez, rapprochez-vous de nous. Si vous avez besoin d'énergie, n'hésitez pas à pomper dans nos batteries. N'hésitez pas. Chez vous, n'hésitez pas. C'est qu'on change de fréquence, on n'était pas à 100. Ouais, on est à 150. Mais j'ai un nouveau dynamique, elle m'a traité. On va le mettre en... Ouais, c'est entendu, hein. Des oui, ça, j'ai bien compris, oui. Hein. Ouais, mais deux, trois un fois. Un homme, on l'a bien entendu. Non, on entend moins fort. Ah là, là, fou. C'est à l'heure que tu as réussi à le mettre plus fort. Peut-être parce que j'ai appuyé sur un bouton, non? Elle était pas à 150. Tout à l'heure, elle était à 150. Elle était à 150, ouais, tout à l'heure, tantôt, elle était à 150. Ouais. Pour ça, je t'ai dit, on la mettrait pas à 100. À moins qu'on doit remettre à 150 pour qu'on entende plus fort. Ouais. Je sais pas. Non, on entend, mais on n'entend pas. Je pense que ça va trop vite. 150 sur. Ouais, bah là j'ai mis à 150, j'ai remis. Et là, toi? Ouais, là il y a du peu. J'ai pas entendu. C'est pas moi que vous parlez. J'ai cru entendre mon prénom. Ouais, je pense que oui, non, c'est possible. C'est une femme. Vous êtes toujours avec nous ? Allez-y, n'ayez pas peur. Comment vous appelez-vous ? On n'a pas compris. Est-ce que vous êtes avec nous? Non. Mm-hmm.
que notre présence vous dérange. Est-ce que vous voudriez qu'on parte ? Est-ce que vous voudriez qu'on reste ? Est-ce que vous auriez besoin d'aide ? Que peut-on faire pour vous aider ? Speaker France ? Est-ce que notre présence vous dérange ? Faites-nous un signe. Essayez d'allumer une lumière, il y en a 5. Un pour faire voir votre présence. Ce serait gentil, merci. Venez nous voir. N'hésitez pas. Vous êtes toujours là ? On va faire des photos aussi, on va faire des photos.
t'as entendu? Je pourrais savoir votre nom, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Jonathan. Exprimez-vous. N'ayez pas peur. Parlez plus fort, s'il vous plaît, on n'entend pas beaucoup. Goodbye, ta caméra, Ludy. Elle s'est éteinte. C'est beaucoup d'énergie de notre vie. On peut marquer goodbye, un bleu, c'est éteint. Vous avez pris l'énergie du caméscope? Vous pouvez vous servir, il n'y a pas de souci. C'est vous qui avez éteint le caméscope? C'est déjà pas bourré, hein? Une femme qui a du vent, là. Faites-nous un signe. Une lumière. Un bip. Vous voulez qu'on se dirige vers le cimetière? Ouais, on entend, mais... On pourrait savoir comment vous nous appelez, s'il vous plaît? C'est vous qui êtes sur les photos de Fifi? Ouais, bah ouais. Ouais, ils veulent pas se manifester. C'est juste de la curiosité. N'hésitez pas à vous manifester. Hein? Ouais, bah ouais. Ouais, ces photos ici, ça marche bien. Faites-nous un signe, s'il vous plaît. Vous écoutez, on a
peuple, comme ça, on leur est très bien. On fait des petits feux, des petits feux, et on va se mettre un peu dans le noir et écouter ce qu'on peut convenir pour voir s'il y a une bonne. Et à ce moment-là, je vais essayer de faire quoi, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux mettre un peu de lumière? Ça part, hein. Vous voulez qu'on le laisse encore un petit peu? Voulez-vous discuter un petit peu avec nous? Ok. Bon, on le laisse encore un petit peu alors. Si vous voulez parler, c'est maintenant. Est-ce que vous êtes décédé dans cette forêt ? Est-ce que vous êtes proche de l'avenue ? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de la famille de l'avenue qui serait là avec nous ce soir ? Y a personne de notre famille qui est là ce soir ? On entend des fois parler, mais on entend, mais on comprend pas. Maintenant, voilà, c'est peut-être la première fois, hein. Ils sont peut-être un peu timides. Ils sont peut-être un peu timides. Moi, c'est sûr, on va l'éteindre de Est-ce minutes, que vous voulez qu'on l'éteinte? Est-ce que... Et on la rallumera par après. En espérant que vous soyez un peu plus causant. On va l'arrêter. On va l'arrêter. Une séance de spirit box après. Voilà. Et lui, pareil. Attends. Voilà, je vous reprendrai après, les amis. Voilà les amis, on va faire une séance de PVE pendant 5-10 minutes. Donc on va faire le silence total, poser quelques questions et attendre. Et on espère d'avoir des résultats. Que tout le monde le voit. Alors mon téléphone. La batterie, ils peuvent prendre la batterie, pas de soucis. Ils ont pas l'allumé. Voilà, séance de PVE numéro 1. Peut-être que j'ai une.
séance de PVE numéro 1. 1, 2. N'ayez pas peur, je vous invite à venir près de nous. N'ayez pas peur. Venez nous montrer votre présence. Nous ne sommes pas des chasseurs de fantômes, loin de là. On ne veut pas vous faire partir d'ici. Si vous vous sentez bien ici, c'est votre Dieu. C'est votre droit de rester ici. Nous sommes simplement ici pour voir s'il y a réellement quelque chose après la mort. Tout simplement, avoir des réponses. Rejoignez-nous, s'il vous plaît.
Venez près de nous. On va arrêter le dictaphone, l'appareil qui se trouve au milieu. On va retenter une petite séance de radio, de spirit box avec vous. Profitez-en, car on ne restera pas des heures et des heures dans votre bel endroit. Donc si vous voulez rentrer en contact avec nous, profitez-en. Merci. Merci. Ouais, merci. Juste là, tu vois où est-ce qu'il y a le panneau là ? Il y a un panneau là. Il y a des fois, j'ai l'impression qu'il y a une lumière qui apparaît et elle s'est disparue. C'est pas un reflet de un bouton de ta caméra derrière ? Non, non. Non, ça fait comme une ombre comme ça, tu vois. Mon dictaphone ne marche plus.
Tu rigoles ou quoi? Non. Mon appareil photo ne marche plus. Et toi, ils t'ont laissé à Paul, tiens. Et ta caméra, elle marche plus. Bah, je l'ai mis sur batterie. Ah, maintenant, bon. Ouais, mais je veux dire, elle était aussi. Elle était cuite. Toi, ils t'ont vraiment pompé, toi, t'as rien sorti. Et moi, non. Et ta femme s'est arrêtée à 13 minutes 46. Tu rigoles? Je te le jure. Il y a comme un problème. 13 minutes 46. Ils veulent pas parler, en fait. Ils veulent pas parler, en fait. J'ai jamais vu mon appareil photo dès qu'on est pareil comme ça. Je sais pas ce qu'il y a. Ils veulent pas discuter. Non, à mon avis. Moi, j'ai l'impression que ça. J'ai toujours l'impression que là, en fait, mon regard à chaque fois que je vais le tourner dans tous les sens, j'ai toujours attiré là. Là, il est en infrarouge. Il est remis. J'ai toujours tiré vers ça, en fait. Alors là, ça, ça ne met pas. Ça ne met pas. Mais il fait même plus de flash. Si? Non, non, moi, je ne mets pas de flash. En infrarouge. Il n'y a personne à côté de moi. Non. Ça. Les photos, alors, qu'est-ce que ça donne au fétif? Les photos, qu'est-ce que ça a donné? Tu vois quelque chose ou pas? Quelque chose, tu veux voir? Ouais, ouais, ce qu'il faut. Ouais. Tu regardes avant qu'on allume tout la ribambée. Hop. Voilà. Ouais. Sur la spirit box, hein, j'en entends, je peux pas. Ah, ok. Là, t'as pas de carré, là, à droite. Ah, voilà, d'accord. Une belle, hein. Alors c'est une belle. Hein. Tu n'as plus de batterie à ton dictaphone. Non. Ah, ils t'ont pompé, ils t'ont pompé jusqu'à l'heure, ça. Ah, et t'as rien senti. Ici, tantôt. T'as mal aimé? Non, il n'a pas aimé. Il est en œuvre. C'est éteint, ouais. Complètement, batterie zéro. Et maintenant il est plein. Et en plus, je le branche en plein gueule. Et il y a quelqu'un. Je crois bien ça. C'est timide ou je sais pas. Voilà les amis, on va arrêter la séance de PVE. On verra bien ce qu'on aura eu dans les rushs. Je vous reprends après. Oh là, une belle. Hein, ouais. Tiens. Tiens, je vais verrouiller le boulot. Alors, celui. Il est là. Hein? C'est dit, enfoiré. Il est là, le boulot. Il y en a un derrière. Là, juste à côté du pied. Hein? Tu vois? Ah ouais. J'ai été vu. Merde. Ben, les appareils, le K2, le pod et tout ça. Rien. Lumière, aucune lumière. Toi, vois la détecteur. Ah ouais, si, bon. Mais t'as raison, c'est et avec la spirit box, il me semble que tout à l'heure j'ai entendu Luigi, tu sais. Ouais, moi, bon, je te jure, c'est vrai. J'ai entendu Clay. Il me semble que j'ai entendu Luigi. Ouais, détecteur ici, va. Ah, il y a une qui se barre. Hein? Il y a une qui se barre. Là, là. Et rigole ou quoi, ouais. Hein? T'as pas entendu? De quoi? Ça va? Ils vont. Ouais, ils vont tous, ouais, viens. Un coup. Ah, dans le noir, tout à l'heure. Voilà. Et j'étais attiré vers l'or. Bah nous, à un moment, et j'ai vu Luigi, parce que Luigi est là, mais on est dans le noir. Et à un moment, j'ai entendu un bruit, hein. Il a tourné sa tête, mais en même temps que j'ai tourné l'air. En même temps, on a entendu le même bruit au même moment, tu vois. Non, mais moi, t'as vu où est-ce qu'il y a le pont? Ah ouais. Ouais. Où est-ce qu'il y a le pont, c'est bien ça. Où est-ce qu'il y a le pont? On aurait dit qu'à un moment, comme si il y a quelque chose qui traînait, tu vois. Comme si, je sais pas.
Vas-y, j'ai entendu. Bah, des bruits là, derrière lui, là. Par contre, derrière moi, et la première fois qu'on avait fait de nuit ici, moi j'entendais, c'était là. On entendait maf, quelqu'un qui marchait vraiment. Bizarre, ici c'était plutôt par là. Et là, ouais, là c'est de l'autre côté. C'était tout à l'heure quand j'ai parlé à la pyramide box là. 11 est-ce que. Combien 11 12. Il fait bon. Ouais. Il fait froid. J'ai capté un 14, près de la maison. Une chaleur. À la rigueur, j'ai plus froid, logiquement, ça me donne plus froid. Ah ouais. Et tout à l'heure à la spirit box là, quand j'ai parlé du cimetière, ça a bougé. Ça disait moi je suis un peu déçu pour aucune lumière qui s'est déclenchée. Aucun pod. Et même le bazar, il n'y a même pas fait un petit verre ou tu vois, il n'y a même pas. Quand on voit, quand on voit. J'ai acheté du matériel pour les détectives, ce détective. Ça c'est un truc qui est tombé par contre, non? Ouais, c'est une branche qui est tombée. Ouais. Mais tout à l'heure, je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Je déteste rien du tout. On a bien entendu des oui et des non. Ah, d'accord. Il y a un petit mire de la bas la branche. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc. On va pas mettre ça sur aucun compte. Non, ouais, ça peut être tombé de. Ah ouais, c'est ce que j'ai regardé quand c'est tombé là. Ouais, ça peut être tombé direct. Bah, c'est un tron non plus qui est tombé parce que là. Non. Ça, c'est autre chose. Mais bon. Ouais, t'es saisi. Top caméra. Et... Bon, moi. Bah, vraiment, c'est une nuit. Et après, bon, j'ai une caméra. C'est gros, ça. Avec ta casquette, ça, c'est l'intérêt sur ta nez. Tu vois. Mais elle était de travers, hein, la branche. Ah ouais, j'ai vu. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait une séance de spirit box? On va en refaire une, vas-y, c'est parti. Allez, je vais prendre la caméra, je vais la mettre sur la pierre. Alors, attends. Avant que ce soit, je peux. À un moment, j'avais voulu prendre le drone. Je me suis dit, je serais intervolé ici. Hein. Oh, avec les arbres, non. Les arbres. Déjà que l'autre fois, il a volé dans le mur du château. Oui. C'est parce que j'ai plus pu. Heureusement que j'avais les trucs osés, là. C'est un fantôme 3. Alors je sais mettre des caches aux hélices. Aux hélices, ouais. Pour ne pas que ça vienne taper. Heureusement que j'avais ça aussi. Ah. Ah, t'es vraiment bien équipé, en tout cas. Ah, non, t'es vraiment équipé. Hein. Il faut, hein. Il y a toujours quelqu'un avec nous. Ça va pas fort encore. Je vais pas venir en feu. Je vais venir prendre du mur. Putain, c'est pas le mur. Deux, je vais. Ouais, je l'ai. Oui, je l'ai. Ouais, je l'ai. Il y a toujours quelqu'un avec nous? Je vais toujours tuer. Est-ce que vous voulez qu'on reste? Dans le cimetière. Est-ce que vous pourriez nous dire où se trouvent les ossements que Jonathan avait trouvés la première fois qu'ils étaient venus nous rendre visite? Est-ce que c'était bien des ossements humains? Thank you.
Est-ce que vous êtes toujours ici avec lui? Je sais pas du nom. Bah, tu veux ton nom, je sais pas. Touchez-le, touchez-le. C'est inoffensif. Non, un autre appareil, deux autres appareils. Là, dans la cabane, vous pouvez bouger. Vous tournez debout. Après, on n'a pas peur. Rapprochez-vous. Après, on ne reverra quand même plus. Profitez-en. Si vous avez un message à nous faire passer ou quoi que ce soit, profitez-en. Après, on ne reviendra plus. Vous n'êtes quand même pas timide à ce point-là, quand même.
bien à ce point-là, je trouve qu'il y a d'ici. À d'autres que moi, limite, c'est pas possible, non. On ne sait pas vous faire de mal. Si on n'a pas envie. Et vous le savez très bien, de toute façon. Faites-le bien, de toute façon. Faites-le bien, de toute façon. Faites-le bien, de toute façon. Faites-nous un signe de votre présence. Allumez une lampe, c'est tout ce qu'on vous demande. Une lampe, une. Vous en avez cinq à votre disposition. Cinq lampes. Ou un bruit. Un gros bruit. Tapez dans, je sais pas moi, dans un mur. Ouais, sur Sissi. Ou sur Luigi, oui. Peut-être tomber une branche, je sais pas moi. Ben petite, hein, pas une grosse. Non mais ne nous laissez pas partir sans rien du tout quoi. J'ai entendu ici. J'ai entendu ici. Donc vous ne voulez pas rentrer en contact avec nous. Dites-le. Dites non alors. Si vous n'avez pas envie de rentrer en contact avec nous, dites-le nous. Et qu'on ne perde pas notre temps ici alors. Si c'est pas avec vous, ça sera avec une autre personne ou des autres personnes. Ça vaut la peine qu'on va au cimetière. Est-ce que vous voulez qu'on va au cimetière? Oui. Moi j'ai entendu oui. Si vous voulez qu'on aille dans le cimetière, on y va, il n'y a pas de souci. J'espère que vous serez un peu plus bavard. J'ai compris, oui. On fait quoi, on se prend vêtement, on se passe jusqu'à là-bas. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Eh ben, on va aller dans le cimetière. Il y a... Ah. Non, c'est mon... La languette de ma lampe de poche. Ah. Pardon. Ah, pardon. Je sais pas ce qu'il y a dit. Ah, j'ai vraiment des poches. Je vais allumer la lampe. Voilà. Et il parle. Qui est-ce? J'attrape des frissons. T'attrapes des frissons? Ouais. Moi aussi. Faites-moi un signe. C'est un fou là. Ah ouais. Alors on va aller près de la croix là-bas, hein. Regarde, il y a une croix là. Où? Juste là. Il a parlé. J'entends pas moi ici. J'ai pas entendu. Voilà. On se trouve en plein milieu du cimetière. Où il y a des croix partout. Donc maintenant... Parlez maintenant, s'il vous plaît. Dites-nous quelque chose.
Est-ce que vous êtes là avec nous? Dites-nous quelque chose. Est-ce que vous êtes enterré dans le cimetière? Est-ce qu'il y a des gens qui sont enterrés ici? Luigi a un petit appareil dans sa main. Allez tout près de Luigi et touchez l'appareil. Oui, allez. Inquiète. Touchez son petit boîtier. Celui-ci. Oui, venez tout près de moi le toucher. Il n'y a aucun souci. C'est inoffensif. Merci. Approchez. Approchez-vous de moi. Tout à l'heure, j'ai blessé 2-3 troncs. Je respecte cet endroit. Approchez-vous. Ya. J'ai entendu Ya. Spreek je Vlaams? Est-ce que vous voulez qu'on soit dans le noir, total? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Si vous voulez qu'on parte, dites-le nous, dites oui. Approchez-vous, s'il vous plaît. Faites un geste. Un petit effort. Nous, on a fait le geste d'être là. Oui. Ben faites-le alors l'effort. Dites pas oui et ne rien faire. Faites un geste envers nous. Je viens vers vous. C'est la radio. Ouais. Ou allumer une lampe alors que... Où est-ce qu'on était assis en bas?
Là, on est loin, là. On peut pas vous effrayer, là. Oui, là-bas. Allumez un des détecteurs, s'il vous plaît. Ouais, je crois que j'ai entendu ça. T'as entendu quoi ? Il y a du monde. Et s'il y a du monde, montrez alors, faites savoir qu'il y a du monde. Il y a pas eu de chute, non ? Est-ce qu'il vous est possible d'allumer un appareil ? J'avais réussi à bloquer ma caméra deux fois. Donc vous savez interagir avec lui. C'est une grosse homme. Ça va pas dire. Je sais pas quoi. Bah écoute, on va redescendre. S'il vous plaît, faites-nous un signe de votre présence. Tout simplement. Pour dire qu'on n'est pas venu pour rien. Regardez, je vais mettre mon appareil ici. Celui-ci. Un petit peu plus loin que nous. Je vais chercher un endroit où il doit y avoir vraiment quelqu'un. C'est pas possible autrement. C'est ce que je pense. Voilà. Et là-bas, on aurait dit que la lumière s'était affaiblie et remis. Oh, bah. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est peut-être les piles. Ah. Enfin, voilà. Ça peut être les piles. Et plus haut, on a fait une photo, mais on va le dire quand on s'en va ici. Avec la sorcière. Là. Allez-y, ouais, ouais. Plus loin. Il danse et il répond au téléphone. Ouais. Alors même à cette distance, non. Répondez au cadu à la cour de bois. Non, ça ne va pas bien. Bah, vous répondez puisque c'est la négative. Donc, vous êtes là. Vous voulez qu'on se mette dans le noir total ? Ah bah. Il n'y a qu'à demander. J'ai même pas fini ma phrase. Que... Yes, yes. Yes. On a plus de réactions là. Ça bouge plus déjà. Dites-nous ce que vous voulez. Vous voulez qu'on s'en aille, dites-le. Et on s'en va, on vous laisse tranquille. Casse-toi, connard. Oui, ça va suffire.
Oh, vous voulez pas faire un petit effort? On l'a fait. On l'a fait, non? C'est pas ça que t'as dit? Bon, on l'a pas vu alors. Il y a une voix féminine qui nous parle. Comment tu t'appelles, s'il te plaît? Ben vous avez gagné, on va rentrer à la maison alors. Minimum, c'est un au revoir alors. Bon, on est un petit peu déçus, on pensait que vous alliez un petit peu plus vous manifester, ouais. Mais apparemment... Ils ont peur de nous. Ouais, vous avez peur de nous. C'est plutôt le contraire qu'il devrait y avoir. C'est nous qui devrions avoir peur de vous. Mais c'est le contraire, apparemment. C'est vous qui avez peur. Dieu, j'ai entendu Dieu, moi. Dieu, je suis avec moi. Faites-nous un signe, au moins. À mon avis, il veut rien savoir. Ouais, ben... C'est quoi, récupère ton cadeau, Luigi? On va descendre. Attends, je vais te mettre la lumière. C'est bien dommage. Franchement, vous me décevez. Ouais. Vous me décevez grandement. Moi, personnellement, je ne viendrai plus. Ah ouais, c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. Ça, et un conseil que je vous donne, qu'on partira. Ne nous suivez surtout pas. Restez chez vous. Si tu me mets pas dans la gueule. Bon, on descend? Je vais laisser allumer jusqu'en bas, mais après, on ramasse les détecteurs en même temps, les gars? Ouais. Dommage, hein? Bah, du coup, on sait même pas si on marche sur des tombes ou. Bah, y'a rien, y'a rien ici. Ouais, y'a rien. Y'a rien du tout. Il n'y a personne, il n'y a pas d'entité, il n'y a rien. On est venu pour rien en fait. Bonjour. Des piles. Ouais. Mais c'est incroyable ça. Non, c'est à cause de la lumière. Ah. Quoi, je le ramasse? On va ramasser, ouais. Il n'y a rien. Il y en a un autre là-bas aussi. On va pas s'acharner, hein. Eh ben voilà, les amis, on aura tout essayé.
On aurait essayé de les obliger. On a essayé de d'hausser un petit peu la voix pour essayer de les motiver. Rien. On a eu quelques bruits. On a entendu marcher. Qu'on aura ramassé le matériel. Voilà les amis, après 1h45 d'enquête, nous avions décidé de faire un petit débrief après avoir ramassé tout le matos. Donc cela était inutile de refaire un débrief. Donc voilà les amis, l'enquête se termine ici. J'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo. Et comme à mon habitude, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, abonnez-vous également sur mon Facebook. Et alors, je vous dis les amis, une bonne soirée, une bonne journée à vous. Et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!